soir, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. C'est marqué à ma droite. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le moins physiquement chez Natou? Oh putain. Alors, tu es obligé de répondre une vérité, je veux pas de vanne, genre son orteil gauche ou je ne sais quoi. Sinon, tu nous fais le gage. Hein. Bah, honnêtement, je déteste ses dents. C'est vrai? Vraiment, non, mais j'ai un blocage. Alors, c'est vraiment sérieux, ça me... Je sais pas. Mais Ludo qui m'a dit la même chose. Ouais. J'étais content qu'on partage un peu le même truc. Mais voilà, c'est juste, c'est dégueulasse. Mais elles sont pas moches, ces dents. Je sais pas, il y a un truc qui me... Tu vois? Qui te dégoûte. C'est vrai que tout le monde me dit ça. Hey, t'as une dent contre elle. Oh, merci, Ludo. Merci à toi, vraiment. Ah voilà, le studio Bagel des humoristes en herbe. C'était drôle. Cette blague était écrite par Stéphane Bourgoin. Allez. On est d'accord, c'est une vraie réponse. Tu n'aimes pas ses dents? Non. Ok, je valide alors. Hein, c'est flatteur pour. Non, mais c'est franc. Pour c'est toi, franc. Natou. Natou, on enchaîne avec toi. Tu vas devoir me citer un membre de ta famille que tu n'assumes pas, celui que t'aimes le moins en fait, dans ta famille. Ça peut être proche ou éloigné, ou alors tu peux faire le gage, hein, y a pas de souci. Bah, je vais faire un gage. Moi, j'aime tes dents. Ah, alors un gage. Oulala, t'es sûr? Le gage, c'est de te couper une mèche de cheveux. Oh, tu rigoles? Non. J'ai déjà les cheveux qui se pètent parce que je les ai alors une petite, décolorés. Une petite. Ils tombent tout seuls. Une petite mèche, une méchouille. Okay, amenez-le. Tu dois te faire un mini chaos. Tu te fais un petit chaos comme ça. Mais une mèche sous l'aisselle ou. Oh, l'humour. On n'arrête pas quoi. Attention. Vas-y, fais-nous ça, elle le fait affreux. En direct. Bah, non, j'y crois pas. Mais je dois, c'est chaud. Attention, Melty. Oh, c'est mignon. Ludoc. Comment ça va? Ça va bien? Ok. Ah non, c'était nul. Allez, on arrête. Ludoc, écoute-moi. Pas mal l'équipe numéro 1, pas mal. Se concentre les amis, c'est au tour de Ludoc. Okay. Tu vas devoir me donner le numéro de la personne la plus connue de ton répertoire ou faire le gage. Ah. Je vais me couper une mèche du coup. Non, c'est pas ça le gage. Tu veux donc faire le gage? Qui est la personne la plus connue de ton répertoire? Ouais. Bon, bah, on a posé la question en même temps, Natou. Mais du coup, je te le donne à Stéphane, toi le numéro à l'antenne. Ah oui, ben non. Alors tu fais c'est le gage. C'est qui la personne la plus connue? Ouais, au moins si tu. J'aurais pu te donner le numéro d'un copain. Ah non. À qui je peux faire une petite dédicace, qui est Vince de Fun Radio Belgique. Ah ouais. Voilà. Ah, si on aurait pu te donner son numéro, on aurait pu l'appeler. Bah, mais du coup. Ouais. Je vais prendre le gage. Eh ben alors, tant pis pour le numéro de Vince. Le gage. Je vais te couper un doigt. Alors c'est un double gage parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être dans la merde. Mais pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Parce que c'est embrasser, smaquer la personne qui est à ta gauche. Non. On va pas faire ça avec la bite. Allez, un petit smack les gars. On va pas faire ça, Ludovic. C'est Ludovic. Oh. Attends, mais c'est énorme. Eh, moi j'aime bien le principe du gage visuel en radio quoi. Ah bah, et tout est filmé hein. Oh, il l'a fait. Il l'a fait. Ça y est, il vient de s'embrasser. Ah, tiens bon. Je vérifie, les auditeurs savent que je suis de bonne foi. Les vrais savent. Embrassez-vous. Quel les est gars. Le terme exact? Les vrais sachent du gage. Oh. Si tu dois m'embrasser. Allez, le smack. Allez, vite. Eh non, mais attends, il faut que vous sachiez quelque chose. Dis-nous. Faut que vous. Favier, je repars depuis tout à l'heure. Oh, non, c'est qu'avec Ludoc. Non, allez, parler. Allez. C'est qu'avec Ludoc, on se connaît depuis la maternelle, on peut pas faire ça. Si tu veux. Ok, t'es comédien ou pas? Écoutez-moi, tu sautes une personne, tu le fais avec Bengui. Allez, je veux que. Allez, si mais tu veux sauter une personne, je suis là, moi. Oh. Allez. Qu'est-ce que j'ai à voir dans le gage de Ludoc? Allez, c'est parti, parce que je le connais depuis que je suis. Allez, arrêtez de faire perdre du temps là. Allez, un bisou. On propose de s'embrasser à 3. Un bisou. À 3. Allez, à 3. Allez. Ils j'ai l'ont kiffé. Fait à 3, c'était génial. Bengui, celle-là, elle est pour toi. La dernière fois que tu t'es masturbé, c'était quand et devant quoi? Attends, mais du coup, et quel âge elle avait? Le sperme, le goût du sperme. Et devant quoi? La vérité. Tu peux choisir le gage si tu veux, y a pas de soucis. Ouais, Greg. Non, ça date. Je vais prendre un gage quand même. Et tu vas devoir te masturber devant tout le monde. Alors, le gage, c'est tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler le dernier numéro qui t'a appelé, l'insulter en gratos et raccrocher direct. Tu viens d'apprendre un truc sur lui. Embrouille-le. Ouais, t'aurais jamais dû dire ça, enculé. C'est nul à chier, Greg. En plus, c'est même pas de réponse. C'est bon, c'est même pas s'il a appelé quelqu'un. C'est... J'adore ce jeu. On enchaîne avec toi, Ludovic. T'es le seul qui a pas passé là. Alors, Ludovic. Oui, mais parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Oh. On va dire ça. Mister V n'est pas là. Il fait aussi partie de votre bande. Du coup, est-ce que tu peux me balancer un énorme dos sur lui? Mais je veux un truc de ouf. Ah, sinon, c'est le gage. Il a une grosse bite. Non, c'est vrai. Oh. Vrai ou faux? Attends, mais c'est pas un. C'est vrai qu'il a un gros paquet. Ça, c'est un fait. Ouais, c'est un fait. Mais c'est pas un. Il y a quoi que je pourrais dire sur.
Il y a quoi? Attends, il y a Marion qui veut dire quelque chose. Quelqu'un a quelque chose, je vois pas. Viens Marion. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Marion, tout à l'heure. Ah, mais oui. Le tournage. Ah oui, j'ai un truc. Il va pas m'en vouloir si je le dis. Non. Non, ils s'en foutent. Et bah, il nous a envoyé des photos. J'espère. Parce que là, Yvi qui est aux États-Unis et il était sur le tournage d'un porn. Il nous a envoyé des photos qu'on va mettre sur le Twitter de l'émission. Non. Il était sur le tournage d'un porn où il y avait des gens qui faisaient l'amour derrière lui. Un couple. Il nous a fait des selfies. Les amis, j'ai envie de lancer le hashtag Mister V fait du porno. Vous me suivez ou pas? Oui. Tu assumes, Ludo. Il sera content. Hashtag Bengui est raciste toujours. Hein, vérité là qu'on a appris dans le Night Show. Et hashtag Mister V fait du porno. C'est con parce que j'aimais bien ton gage à toi. C'est quoi? Vas-y, je le fais, je m'en bats avec. Le gage, c'est de se foutre en caleçon et d'aller sur la terrasse de Fun Radio. Oh, allez, au revoir. Tout à fait, Ludo. Sachant qu'il fait moins 1000. Hein. Ça, tu te le sens ou pas? Alors, Ludo est non seulement je vais le faire. Ah ouais? Mais sans caleçon. Eh ben mec, vas-y, fous-toi à poil. Non, c'était une blague, je suis pudique. Oh, vous avez pris plus pudique. Baptiste, par contre, Baptiste, il est chaud. Baptiste, il peut le faire, je pense. Baptiste, fais-le, s'il te plaît. Mec, je suis micro-té et tout, là. Baptiste, allez, vas-y. Baptiste, on y va ou pas? Allez, on y va. C'est le Ah oui, il y a une caméra, j'avais pas vu. Ça fait vraiment bizarre. Allez, Marion, suce-moi. Non ! À poil. Qu'est-ce que tu fais ? I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan. New York and Japan. Du dimanche au jeudi, 22h minuit. Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio.